qui jamais a peur. Celui qui n'a jamais eu peur. Silence. Celui qui n'a jamais eu peur. Et face à la mer, face au rage, ce soir. Jamais je baissa les paupières. Moi, je tremblais de tout. Aucune toile glissée, voile glissée qui me prendra. À l'ombre de son œil. Aucune faille glisser mon horizon qui me prendra. Des mots charriés dans les veines, les sons se hissent, les sons se hissent, trébuchent, tombent derrière la lèvre, abrutis. Les eaux usées glissent du seau, éclaboussent. La conscience est pauvre. La main s'essuie au tablier de toile grossière. Abruti. Les mots n'ont pas lieu d'être. Ils sont. J'étais infans, sans la langue. Je ne parlais pas. Alors, qu'est-ce que j'avais comme connaissance ? Moi, j'ai 5 ans. Depuis 6 heures du soir ici, c'est une forteresse. On n'a pas mangé tous ensemble comme d'habitude autour de la grande table. Maman a apporté de la nourriture en bas et nous, je ne sais plus comment on a dîné. Pas autour de notre table, c'est sûr. Pas sur les grandes chaises à haut dossier rouge. La mienne que j'installe de biais, formant un certain angle avec la table, un peu maniaque. On est cachés. J'ai une petite culotte blanche. Je la vois entre mes jambes quand je me penche. Et puis le parquet, les fentes, entre les lattes. Je rentre dans le bois. Je ne veux pas entendre. À un moment, ça crie « On ne tire pas, on ne tire pas !» C'est la voix de papa. Qui veut tirer ? Et puis « Attention !» Ça hurle. Je ne veux plus rien entendre, rien. J'entends étouffer. Je suis du bois tout resserré. Je suis du bois. Je n'ai plus de jambes, plus de pieds. Je suis quelque chose de dur et de léger dans l'air, plus de poids. Je n'existe pas. Personne ne m'a retenu. Maintenant, j'entends tout, mais ça n'a plus d'importance. Je peux tout entendre. Rien ne m'atteint plus. Mort, c'est plus que ça? Il n'y a plus de moi. Je suis juste un être qui ne fait plus partie de rien. Délié. On ne peut plus rien me faire. Je ne sais pas où est ma mère. Il tire. Faut pas bouger. Faut pas crier. Est-ce que je respire? Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Pour moi, ce qui est profondément important, c'est le moment d'avant la langue. C'est le temps où, moi comme les autres, j'étais infans. J'avais mon corps pour connaître, donc la perception, les sens, et aussi des choses bien subtiles qui se mettent en route à l'intérieur de nous et qui sont véhiculées aussi par nos sens. Après arrive la parole. Elle arrive après seulement. Il y a un temps comme ça où il n'y a pas. Quand la parole arrive, c'est, voilà, c'est ce qui nous fonde, paraît-il, en tant qu'être humain. Donc, c'est une chose nécessaire qui à la fois nous permet d'être en lien et qui nous sépare. Quitte la fusion, la deuxième, c'est ce qui se passe. C'est quand même la petite fille qui entre dans l'alpha, quelque chose qui semble quitter le corps. Je ne suis plus là. Qui se passe dans le silence, pour que le sang batte fort,
pensée et désirer dans le même acte. Jamais j'oublie qu'il y a ce temps d'avant. Et quelque part, c'est ça que je cherche quand j'écris. C'est cette chose-là. C'est de retrouver quelque chose de, comment dire, plus étendu, où les limites sont bien moins fermes, parce que profondément, nos limites humaines, elles ne sont pas si fermes que ça. C'est ce que j'aime beaucoup chez Virginia Woolf, chez des femmes comme ça. Il y a... elle écrit aussi de ce lieu-là, me semble-t-il. Et ça donne cette écriture, chez Proust aussi, hein, voilà, cette écriture qui va aller explorer à partir d'un instant tous les fils, comme ça, toutes les nuances, toutes j'entends ces choses ma propre respiration comme si c'était celle de quelqu'un d'autre. Et d'arriver à une expansion. La porte est fermée à clé, barricadée. Où est ma mère ? On a l'impression qu'on se perd parfois, mais on ne se perd pas avec la langue. C'est ça qui est bien. Donc, utiliser la langue comme ça, c'est une passion pour moi. Alors, moi, je ne le fais pas de la même façon, puisque je travaille au contraire dans le silence, dans le blanc, dans ce qui est serré. Mais c'est la même chose. Je vais vous répondre par quelque chose qui n'est pas une pirouette. On ne travaille pas le silence, c'est lui qui nous travaille. On est travaillé par le silence quand on écrit. Et c'est sûrement la chose la plus difficile qui soit. C'est le travail du temps mort. On a peur, hein, des temps morts. Il y a des moments comme ça où à rien. Et pourtant. Et pourtant, il y a un remuement intérieur. Mais comme ça, on le sent dedans et c'est quelque chose qui n'arrive pas encore. Dans les mots, dans la parole, dans voilà, dans la langue, dans l'écriture même, il y a un épuisement du corps. Donc, il m'arrive de marcher comme ça, faire des choses. Heureusement qu'on ne me filme pas dans ces cas-là, parce qu'on pourrait me penser folle. C'est-à-dire qu'il peut m'arriver de sauter, de danser, de chanter, de faire plein de trucs comme ça par moment, toute seule. Et voilà. Ça peut être, oui, effectivement, des choses qui ont à voir avec la traversée du temps mort, mais pas que. Ça n'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est le corps aussi qui me donne l'écriture. C'est quand je suis bien centrée que je peux être sûre, quand je suis bien centrée dans mon corps, il y a une chance pour que l'écriture arrive aussi avec cette force-là. Donc c'est toute une affaire puisqu'on est incarné. Je veux dire, ma parole, mon écriture, c'est pas des choses qui sont sans corps. C'est impossible puisque je suis tenue à ça. J'ai une incarnation dans laquelle je suis, une sexuation, je vis sous un certain climat à un certain moment, à une certaine époque, toutes ces choses-là qui sont très limitées, très contraintes, très... Voilà. Alors, avec l'écriture, on essaie de partir vers l'expansion
et d'oublier les contraintes, parce que quelque chose en nous nous dit que être humain, l'humanité profonde, se passe de toutes ces contraintes. Danser, c'est altérer l'espace. Léa le sait. Rien n'est intact. Jamais. Aimer, c'est partager l'altération. Elle partage. Sa mère parle. Pour tenir, Léa continue à imaginer un mouvement fort qui se déploie lentement, des pieds à la tête, articulation par articulation. Elle se concentre. Elle imagine le mouvement dans la tempête, le sable qui se soulève, brûle les yeux. Elle ferme les paupières. Elle imagine. Ses pieds cherchent quelque chose de solide. Sur la terre, le mouvement monte dans les jambes. Vertical, il faut garder le haut du corps arc-bouté pour résister. Le vent arrache tout, le sable glisse, elle résiste. Dans la chambre de la mère, elle résiste, de tout son corps, de toute la puissance en elle qui imagine. Les mots arrivent jusqu'à son oreille. Sa mère raconte la dernière promenade sur la falaise. Ce qui m'intéresse, c'est la crise, bien sûr, ce qu'il advient dans la crise d'épiphanie. Donc la transformation, elle a lieu. Alors, ce serait bien artificiel de ma part de faire comme si elle n'avait pas lieu, pour laisser, pour éviter le happy end. Or, dans mes textes, il n'y a pas de happy end, il y a simplement qu'une crise, ça se résout. Moi, je pense que Léa, elle n'est pas au bout de ses peines quand elle marche au bord de la falaise. Et voilà, on peut se dire simplement que maintenant, il y a une partie d'elle qui sait quelque chose, que des paroles sont venues là-dessus, et qu'il y a des chances pour que les choses soient un peu plus claires. Voilà. Mais c'est tout, c'est pas parce que les choses sont un peu plus claires qu'elles sont résolues. Donc je ne crois ni à la résolution ni à l'irrésolu. Je crois juste que dans la vie, on avance sur des chemins. Et ce qui m'intéresse, c'est le moment où on est arrêté, où le pas est suspendu et où on remet le pied sur terre. C'est ça que j'écris, moi. Les mots arrivent jusqu'à son oreille. Sa mère raconte la dernière promenade sur la falaise. Les mots de la mère sont là, dans l'air. Il faut épuiser les mots. Danser, c'est écrire avec tout son corps. Elle a appris. Elle respire. Fort. Elle écoute à l'intérieur d'elle son propre souffle, familier, rassurant. Épuiser les mots de sa mère, elle peut. Il ne faut pas écouter ce que ça dit, entendre seulement, des sons. Comprendre, c'est pour plus tard, pas maintenant. Maintenant, c'est juste entendre, pour que sa mère aille jusqu'au bout. Des mots cherchent à trouver place dans sa conscience. Falaise, vive, morte. À l'intérieur de sa bouche, elle les mâche, elle les attrape, les dépaisse. Léa est une bête puissante. Elle ne peut pas laisser ses mots vivre et bruire dans l'air. Elle les avale au secret de son corps. Les mots, sous sa peau, tatoués à l'intérieur. Elle n'a jamais su prier. Le silence et son souffle, c'est prier. Elle entend le rythme plus fort que la tempête. C'est prier, elle est la tempête, la plus terrible de toutes les tempêtes, plantée dans la chambre de sa mère, et elle entend. Son père est tombé de la bouche de sa mère. Mais
mais bien sûr que les personnages traversent ces moments où on a la sensation que c'est le péril d'aller jusqu'au plus profond, on déconstruit des choses, c'est-à-dire qu'en même temps, à la fois on va chercher sa singularité la plus extrême, c'est là qu'on va trouver l'universel, c'est dans cet intime, le plus intime qui soit, on va se rendre compte qu'on est un être humain semblable. Des semblables qui tentent de rétablir l'équilibre à chaque pas, entravés, empêtrés dans les vies et les histoires qui s'agrippent, déséquilibrent. Elle fait partie maintenant de ceux qui articulent leurs pas comme on parle après être resté trop longtemps silencieux, avec peine. La seule grâce possible, partageable. Oui, je fais ce pari, toujours fou, que quelqu'un va avoir envie, avec le personnage, de faire le pas. Oui, ça c'est une espérance immense. Ouais. Et c'est celle de la publication. Si, s'il y a un intérêt à la publication, elle est là. Je suis l'enfant de celui qui n'a jamais eu peur. Le front face à la mer, face aux ouragans qui soulèvent les vagues et le souffle des hommes. Oui, il y a des moments où j'aimerais bien être totalement libre de la parole, totalement libérée de ce qu'induit le langage, bien sûr. Mais voilà, c'est... Ah, on a le droit d'avoir des tentations, hein. Donc moi, j'ai cette tentation-là, oui.